Je me présente, je suis un ancien modérateur de la chaîne du Paranormal du 24 de David Garcia. Et j'avais aussi créé une chaîne pour le défendre parce qu'il était beaucoup harcelé, beaucoup attaqué de gens qui disaient que ce qu'il faisait c'était faux, c'était pour l'argent, tout ça. Mais bon, ça, je vais pas, c'est pas de ça que je voudrais parler. Je voudrais parler d'un problème qui m'oblige à prendre la parole. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte et pour vous expliquer pourquoi je fais cette petite vidéo, alors ce monsieur, donc ex-modo, a priori, je ne savais pas, j'ai été au courant là, il n'y a pas longtemps, d'une chaîne complètement de fake, hein, pour ne pas le citer, le P24, vous savez de qui je parle, de toute façon c'est marqué, voilà, c'est marqué. Le paranormal du 24 dégage ses collaborateurs. Donc, en fait, il y a quelques mois, j'ai été vraiment menacée par ce type. Donc, Jérôme Chacha, menacée que si j'arrêtais pas, en tout cas, mes vidéos que je faisais pour montrer les fakes de ce paranormal du 24, que ça allait aller mal pour moi, que, enfin voilà, j'ai eu des menaces assez sérieuses. Je ne pourrais plus vous dire exactement les mots, mais bon, j'ai les captures d'écran, je ne sais plus dans. Enfin, ça remonte hein, à quelques mois, donc il faudrait que je les retrouve. Là n'est pas le but de la vidéo. C'était bien de nous dénigrer, de nous diffamer, de nous dire que. Alors, nous, la pseudo-alliance mafia, comme tu disais, qu'apparemment j'étais le toutou de Cédric Gosturbex, ça n'a jamais été le cas. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours fait mes vidéos de manière indépendante et on m'a jamais dicté ce que je devais faire. Donc, tu nous as dénigrés, diffamés, tout ça parce que on montrait que le P24 faisait du fake. Et il faut regarder un petit peu sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos qui montrent les fakes du paranormal du 24 et qui sont mis plein les fouilles et qui prend sa communauté pour des idiots, tout simplement. Alors là, hop, ça s'est éteint. Donc, Jérôme Chacha, donc, qui à l'époque, ben voilà, défendait son grand idole, on va dire ça comme ça, hein, le P24, qui a fait beaucoup de vidéos sur Cédric Gosturbex, sur Zapping Analyse et sur moi. En se moquant de moi, enfin voilà. Voilà. Apparemment, il a retiré toutes ses vidéos. De toute façon, je m'en fous. Parce que tout ce qu'il disait n'était que du mensonge. Donc voilà. Alors bon, après nous avoir dénigré tout ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, hop. D'un problème qui m'oblige à prendre la parole, quoi. C'est que moi j'ai fait cette chaîne pour le défendre. J'ai fait beaucoup de vidéos ayant des gros problèmes aux yeux. David le savait, sa femme le savait, mais il me poussait quand même à faire ces vidéos. Et ils en étaient contents. Et si bien que ça a arrêté les critiques. Une fois qu'il y avait plus d'attaque de Alors, je tiens à dire que ce n'était pas du tout des critiques, c'était juste montrer les vérités et essayer d'ouvrir un peu les yeux aux gens. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté, hein, les debunks sur. Enfin, moi, je ne me suis jamais prétendue debunkeuse. Et ça n'a jamais arrêté sur ton ex-idole maintenant. Puisqu'il y a Mike Dyson, par exemple, qui a une chaîne YouTube. Et qui fait vraiment du debunk sur le P24 et qui est excellent. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne YouTube dans la section Paranormal, Debunk Paranormal. qu'il n'y avait plus d'attaques, de critiques. C'était pas des attaques et des Et en critiques. parallèle aussi, les modérateurs dans les lives bloquaient tous les gens qui venaient attaquer, quoi. Dont Lydia, Libelle. Une fois que tous les trois, en fait, on a fait cette chaîne pour
contre-attaquer pour empêcher les attaques des gens, quoi. Parce que les vidéos qui étaient faites, qu'elles soient vraies ou fausses, on s'en fichait, c'était bien fait, c'était bien tourné, on aimait bien. Et on pensait avoir une amitié avec le créateur, avec David Garcia. Et une fois qu'on s'est débarrassé de tous ces gens-là, ben en fait, c'est le moment, à ce moment-là, ben David Garcia s'est marié, donc avec sa femme. Et puis elle a voulu prendre le contrôle des opérations. Ben en fait, nous a complètement évincés. Ben, Lydia venait à son travail. Elle a simplement dit à Christopher de mettre le lien PayPal parce que moi je n'y allais plus parce qu'il y avait déjà une ambiance pas possible. Sa femme voulait faire la chef, voulait voilà quoi. Il y avait une ambiance déjà qui me pesait quoi. En plus, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait les anciens qui pouvaient pas me supporter. Je me suis pas vanté d'avoir fait cette chaîne pour aider David, tout ça, mais. Malgré mon abnégation, les gens m'aimaient pas, il y avait une mauvaise ambiance et je suis parti. Donc, avant, je mettais le lien PayPal et je suis parti, je ne le mettais plus. Et Lydia a simplement dit à Christopher Coco de mettre le lien PayPal. Et voilà ce que Angélique qui a répondu. Lydia, va pas avec Coco Christopher pour le lien PayPal, s'il te plaît, parce qu'on lui a parlé avant avec David, justement, vu qu'il n'y a pas Jérôme, que c'est moi qui balance PayPal et qu'à partir de lui, il balance TikTok. Donc qu'on fasse pas tous de la merde parce que c'est pas la peine quoi. Autrement, on supprime tous les bandeaux et basta, hein. Alors qu'elle faisait simplement son travail, quoi. Alors, bon, ça lui a pas plu parce qu'avec tous les sacrifices qu'elle a fait, elle lui a envoyé ce message. Et en réponse, voilà ce qu'a surenchéri la femme de David. Pas mon problème, moi je t'emmerde Lydia, je te dis franchement, parce que déjà tu dis mon David adoré, t'as même pas de respect envers ton mari, envers moi, d'accord? Alors viens pas nous casser les couilles. Si vous m'avez cerni, c'est pas mon problème, moi je vous Bon, connais pas alors. dans ma vie personnelle, je vous connais pas. Vous êtes juste des modos et tu te crois à la limite comme sa femme quand je te vois faire. Tu Donc au vois, bout d'un j'en moment, avais pour stop. 1 600 et quelques euros. Tout est beau, tout est Voilà, on est traité comme du rose. chien, comme des moins que rien. On sert plus à rien. On est sommé de foutre le camp et de pas de réclamer d'amitié ni de reconnaissance. Tu croyais quoi, Jérôme Chacha? Tu croyais que c'était paix et amour chez le Garcia? Comme il veut bien faire croire à sa communauté face cam, alors que derrière, c'est pas du tout comme ça. Ce qui l'importe, c'est le fric, en fait. Rien d'autre. Le fric, faire des vues avec ses fakes minables. Mais d'où, enfin. Je sais pas, tu n'en avais pas conscience avant ou ça y est, il a fallu qu'il se passe ça pour que tu te réveilles un petit peu. Un petit peu, j'ai dit. Hein. Parce que je pense que t'es pas encore très très réveillé, mais t'as déjà ouvert un œil. Hein. Ni de faut qu'on dégage, mais de toute façon c'est comme ça. Pour eux les gens sont jetables. Il y a un autre modérateur, Angel, qui a été balancé comme une merde. Et ils m'ont dit on va le jeter. S'il va parler aux ennemis, chez les ennemis on s'en fiche. Voilà quoi. Hein. Ils sont intéressés uniquement par l'argent, par l'argent, par la demande de dons, par se servir des gens, briser les gens. Merci Jérôme Chacha. Qu'est-ce que j'avais dit dans mes vidéos à l'époque? Qu'est-ce que j'avais dit? Le fric, le fric, le fric. En faisant du fake, en faisant de la merde. Et tout ça, paix et amour, Dieu est avec nous, machin, machin, tout ce qu'on peut voir sur la chaîne du paranormal du 24, ce n'est qu'une façade. Mais ça, on le savait déjà, nous, hein. Là, nous, on n'apprend rien. Hein. Alors, quand je dis nous, ce sont les éveillés, hein, ceux qui n'ont jamais cru au fake du Garcia. Hein. Pour eux, l'humain est jetable, quoi. C'est inconsommable. La ressource humaine, c'est des consommables pour eux. Puis aucune pitié. Moi, j'ai mes deux amis, là, Lydia et Libelle, qui sont en dépression parce que ça a été traité comme des merdes. Elles avaient vraiment une amitié envers ce type.
Moi, de moins en moins, parce que malgré que je voyais bien qu'il y avait des deux, trois trucs faux dans ces vidéos, je voyais qu'il y avait des trucs vrais, des trucs faux, mais je m'en fichais. Moi, c'était bien filmé, c'est tout, ça me convenait. Puis je pensais avoir une amitié, donc voilà quoi. Mais moi, je me suis barré, j'ai dit à mes amis, laissez tomber, ça sent pas bon. Elles ont voulu être fidèles, voilà, elles ont été récompensées, elles ont été balancées comme des merdes. Après, Libelle a pris la défense de Lydia, ce qui est normal, hein, elle n'a pas à être agressée comme ça alors qu'elle ne fait que son travail. Et Libelle a été renvoyée, donc des modos. Et moi aussi, j'ai pris sa défense et David m'a dit qu'il m'a renvoyé, mais il ne m'a pas du tout renvoyé parce que c'est moi qui l'ai renvoyé, je me suis désabonné, donc automatiquement, ça m'a enlevé de la liste des modérateurs. C'est moi qui l'ai jeté. C'est pas lui qui m'a jeté. Alors, avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec les yeux qui m'a aggravé, je n'arrive toujours pas à m'en remettre aujourd'hui. Je me suis lancé corps et âme. J'ai aggravé mes yeux pour l'aider. Le problème, Jérôme Chachard, c'est que tu as trop idolâtré ce mec. Tu apparemment t'as un problème aux yeux, j'en suis désolée pour toi. Mais il t'a aveuglé, comme il aveugle beaucoup de monde. Alors, tu ouvres, comme j'ai dit tout à l'heure, un premier œil. Là, le premier pas. Maintenant, il va falloir à 100%, voilà. Ouvrir les yeux. Et c'est pas lui me virer, c'est moi de le virer. Je le vire comme une grosse. Voilà. Et on fait pas ça aux gens. Et on respecte. On respecte les gens qui vous ont aidé, qui vous ont sauvé la vie. Je vous rappelle qu'il parlait de suicide à cause du harcèlement. Il n'y a plus eu aucun harcèlement. Parce qu'il y avait. Je Ah, vais pas les nommer, mais il y avait la attention. dame là avec. Il y avait Letty avec. Qui était en alliance avec Non, 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 Ghost non, Urbex, non, là, non. ils se sont séparés parce que j'ai œuvré pour les faire fâcher, les séparer, les tout ça. Alors, je vais te dire un truc, Jérôme Chacha. Avant que tu fasses tes vidéos l'an dernier sur moi, sur Cédric Gosterbeck, Zapping Analyst, tout ça, sache une chose, c'est que je n'ai jamais été en alliance, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et que j'ai très 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 rarement parlé à Cédric Gosturbex en privé. On s'est peut-être échangé un ou deux messages et encore, je sais, avant que tu fasses tes vidéos. Hein. Une fois que tu as fait tes vidéos, bah forcément, moi j'ai été lui parler, je lui ai montré. J'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait aucune alliance. J'ai jamais été le toutou comme toi. Tu as été le toutou du paranormal du 24, tu vois. Là, il y a la différence entre toi et moi. Tu nous as pas fait fâcher, bien au contraire, parce que depuis que tu as fait tes vidéos, moi avec Cédric Gosturbex, j'ai échangé quelques messages, beaucoup plus de messages privés qu'avant que tu fasses tes vidéos. Donc arrête de raconter des conneries, et s'il te plaît, tu vois, tu as déjà ouvert un œil. Continue à ouvrir tes yeux, s'il te plaît. S'il te plaît. Sois pas de mauvaise foi. Dis pas des bêtises. Là, tu vois. Déjà, tu prends conscience des choses. Mais s'il te plaît, je n'ai jamais été en alliance. Et puis, tu nous as jamais fait fâcher avec Cédric Gosturbeck. Mais ça va pas, non? Et là, s'il te plaît, arrête tes mythos. T'étais bien parti, franchement. Donc, non, non. C'est qu'à un moment donné, voilà, hein, on va pas se répéter. Moi, je vais pas me répéter. J'ai fait mes vidéos, voilà, pour montrer que le fake est évident. Après, qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas faire 36 000 vidéos, tu vois? Et c'est pas parce que j'ai pas arrêté parce que tu faisais tes vidéos, hein? Pas du tout, hein? Non, non, non. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Moi aussi, j'allais pas tourner en rond et j'avais pas que ça à faire, quoi. Tu vois? Allez, on continue. Et je me suis esquinté quoi, pour rien du tout, pour Oui, un type qui n'en valait pas voilà. la peine. J'aimais bien ses vidéos, mais j'estime qu'on n'a pas à être traité comme ça. Voilà, s'il n'y a plus besoin des modérateurs, il faut le dire gentiment, il y a trop de modérateurs. Et faut pas le balancer comme ça. Maintenant, il est reproché à Lydia qu'elle dit mon David chéri. Lydia, je la connais dans toutes les chaînes paranormales. Elle dit chez Jerry, chasseur de fantômes. Elle dit mon Jerry chéri. Pour toute question qui n'est pas d'ordre paranormal, je ne prends pas. Merci. Et on se retient, c'est pas mon David adoré, c'est juste David. Moi, je me permets d'appeler mon homme, je t'adore ou je t'aime. Voilà, c'est des mots assez forts.
Donc logiquement, tu devrais le dire à ton mari. Donc s'il te plaît, trace ta route aussi. Je te remercie d'avance, Lydia. Au revoir. Chez Ronnie, je sais plus comment il s'appelle, elle dit mon Ronnie chéri. Et elle dit mon chéri, je sais plus, Dark Ghost, c'est son amour. Mais il n'y a rien du tout de malsain là-dedans. C'est la femme de David qui est malsaine dans sa tête, je pense. Et voilà, j'ai deux amis qui ont besoin d'aller voir une psy parce qu'elles sont pas bien, parce qu'elles ont été maltraitées. Ça se fait pas du tout. Maltraité, ok. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire des vidéos que tu as fait sans moi l'an dernier? Qu'est-ce que je devrais dire? Parce que moi, les vidéos, je les ai, hein. T'as beau les avoir supprimées, je les ai dans mon ordinateur, hein. Les menaces. Tu m'as traité aussi de grosse, de. Enfin. D'ailleurs, il y a une ou deux vidéos sur toi, là, sur ma chaîne, que j'ai pas enlevées, hein, bien sûr. Mais. Qu'est-ce que je devrais dire? Ah, j'étais solide, hein. Mais bon, en même temps, bref. Que les gens sachent au moins pourquoi les modérateurs ne sont pas là. Avant que cet énergumène dise qu'on l'a trahi, qu'on a été démoniaque et lui qu'il a été béni des dieux, je sais pas quoi, il va encore sortir ces salades là pour tirer encore du. Des salades, tu vois, tu le reconnais toi-même. Béni des dieux, machin, passeur d'âme. J'en passe, j'en passe, j'en passe. Donc, tu reconnais en fait que hein, le David du 24 n'a aucun pouvoir extraordinaire, entre guillemets. Hein, des salades, tu le dis toi-même. Là, voilà, je lui coupe l'herbe sous le pied avant qu'il balance ses inepties. Et le fric, le Voilà, fric, c'est le tout. fric. Très Merci. bien, Bonne merci. continuation à tous. Et Mais. faites attention avant de donner votre amitié. C'est un bon conseil. Oui. Bonjour. Bon, vous avez vu un petit peu. Je ne le souhaite pas de mal, hein, à Jérôme Chachar, pas du tout. Hein. Juste que, bah, écoutez, c'est très bien qu'il s'éveille un petit peu. Hein, comme quoi, c'est pas tout rose. Hein, c'est pas le monde des bisounours chez le P24. Hein. Hein, paix et amour, que l'amour soit avec vous. Mais oui, bien sûr, je vous l'ai dit, ça, ce n'est qu'une façade. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça tombe, hein, ça y est. On dit que la roue tourne, bah, la roue tourne. Mais attention, je ne veux pas de mal à ces modérateurs. Juste que, bah, ils ont peut-être pris un peu conscience du coup, ce qui se passe. Et que, oui, effectivement. Apparemment, le P24 s'est servi d'eux et que bah, ce qui importe le plus, c'est de mettre toujours le lien PayPal et le fric, le fric, le fric, les dons, les dons, les dons et un coup de fake. Donc, Jérôme Chacha, tu as ouvert un petit peu les yeux, mais s'il te plaît, ne raconte pas de bêtises aussi, en disant que tu nous as fâchés avec Cédric Costurbex, ce qui est complètement faux. Donc, s'il te plaît. T'étais bien lancé. Voilà, donc Adif aimait les gens, tu vois, tu as voulu défendre quelqu'un à qui tu pensais honnête. Mais non, d'ailleurs, je voulais voir un petit truc. Modérateurs ne sont pas là. Avant que cet énergumène dise qu'on l'a trahi, qu'on a été démoniaque et lui qu'il a été béni des dieux, je sais pas quoi, il va encore sortir ces salades là pour tirer encore du fric là. Voilà. Avant de vous quitter, je vais revenir sur une partie de la vidéo. Je ne sais pas si on l'a entendu tout à l'heure. Moi, de moins en moins, parce que malgré que je voyais bien qu'il y avait des deux trois trucs faux dans ces vidéos, je voyais qu'il y avait des trucs vrais, des trucs faux, mais je m'en fichais. Moi, c'était bien filmé, c'est tout, ça me convenait. Puis je pensais à. Bon. Eh bien, tu reconnais qu'il y a des fakes dans les vidéos. Du paranormal du 24. Bah écoute, merci Jérôme Chacha. Après, il y a 95% de faux et 5% de vrai hein, dans ces vidéos. Voilà. Écoute, bah merci. Écoute, et je ne te souhaite pas de mal. Je te souhaite juste de t'éveiller encore plus. Ciao.